Bonjour à toutes et à tous. Une petite vidéo rapide pour vous montrer la deuxième pocket letter que j'ai fait pour Nicole qui ne l'avait pas reçue, du coup, la première que vous avez vue. Donc voilà comment elle se présente. Du coup, c'est un petit peu un autre thème, mais c'est sur le thème de la mère parce que c'était ça qui était défini. Mais du coup, elle ne ressemble pas du tout à celle d'avant. Donc, comme ça va me permettre de vous présenter des tampons que j'ai commandés chez AliExpress. Donc, pour les petites, la petite bonne femme là, donc elle vient de cette planche-ci. Voilà, elle est très très rigolote. Ça, j'avais déjà fait ce tamponnage là pour les personnes qui ont reçu les mini Lodis sur le thème de l'été. Donc, il y avait celle-ci, et après, donc il y a les petites tongs qui sont très rigolotes, donc que j'ai mis ici. Une autre petite bonne femme là qui peut éventuellement se mettre sur une serviette, allongée sur la plage. Un petit filament rose, des petites lunettes et puis du texte sympa. Une deuxième planche de tampon, donc c'est la cabine de plage. Donc là, je l'ai utilisée ici avec le château de sable. Donc elle est vraiment très sympa celle-ci aussi. La cabine de plage marche à moitié pour tamponner ici la porte pleine. Donc moi, j'ai recolorisé en bleu. Et donc j'ai utilisé aussi des puffy stickers d'une, ben je l'ai ici, je la cherchais, d'une planche que j'avais trouvée chez Action, mais l'année dernière et au rayon enfant, je crois. Donc ça c'est sympa, c'est pas très grand et ça permet d'en mettre par-ci par-là. Par exemple là il y a une petite étoile de mer, des poissons, les petites tongs. Donc ça c'est rigolo comme tout. Donc une petite découpe Hello, ça c'est un die. Le petit soleil, il doit venir de la planche, ouais, voilà, il vient de cette planche là aussi. Autrement une autre planche aussi qui est très rigolote. Donc tout ça, ça vient, tous les tampons là viennent de chez AliExpress, je ne sais pas si j'ai précisé. Donc c'est les petits maillots de bain, les petits le seau, le maillot de bain, la bouée, tout ça avec des petits yeux, donc c'est assez rigolo. Donc là, par exemple, j'ai fait le cocotier là avec ses petits yeux, les petites noix coco avec des yeux, c'est rigolo. Maillot de bain et le petit moulin à vent que j'ai mis aussi dans le sac là. Et donc il y a aussi la crème solaire qui vient aussi d'un des tampons qui est assez marrant. Un peu dans le même thème, les mêmes petites bonnes femmes à la plage. Donc il y a celle-ci avec sa petite bouée, celle-ci qui fait du surf. Et donc la petite bonne femme assise sur son transat. Donc voilà, la petite bonne femme assise sur son transat, elle est ici. Donc ça c'est le sac de plage que j'avais mis déjà sur l'autre. Et au point de vue des goodies, de l'autre côté, bah, ça ne change pas beaucoup. À part que j'ai fait une petite planche avec différents puffy stickers. D'autres découpages du coup et coloriages qui viennent des planches de tampons. La même ATC, la même écriture relax. Les mêmes, le petit vert et puis la limonade orangeade là, et la petite vaillée du coup qui était sur l'autre pocket letter. Donc j'espère que cette fois-ci elle va bien recevoir, parce que ça serait un petit peu embêtant quand même. C'est vrai que vraisemblablement il semblerait qu'il y ait soit des vols ou qu'il y ait des vols ou je sais pas trop pourquoi ça arrive pas. Mais pareil, il y a quand même beaucoup de vols. Donc je vais en profiter pour vous montrer des petits dies que j'avais commandé aussi chez Ali. Donc ici, c'est pour faire une petite enveloppe avec trois fenêtres différentes qui permettent soit de faire la découpe dans l'enveloppe, soit de faire une découpe rectangulaire carrée pour mettre au-dessus pour écrire un texte comme j'ai mis ici. Donc elle a un petit rabat comme ça. Voilà. Et il y a une petite encoche pour fermer, mais je la trouve pas très pratique parce que ça vient plier le papier, donc c'est pas terrible. J'ai pris aussi ça, que je trouvais ça sympa, pour faire des fermetures de sachets. Donc ça se présente comme ça une fois que c'est découpé. Et donc avec cette partie-là en relief. Et donc une fois que c'est plié, ça donne ça. Donc je trouve ça assez sympa, ça me plaisait bien ça. Après, deux petites souris, donc on peut venir découper des parties. Alors je ne m'attendais pas à ce que ça soit comme ça, on verra bien, il faut que je fasse un peu mieux que ça.
Après, c'est donc plein de petites choses qui vont avec les petites souris. C'est des ballons, c'est des petits chapeaux, les petits cadeaux, les petits gâteaux d'anniversaire. Ça peut servir pour les petites souris ou alors pour mettre sur une autre création. Un autre truc que j'avais trouvé sympa aussi, c'était des petits nœuds comme ça. Donc ça mesure à peu près 15 de large. Et voilà ce que ça donne une fois que c'est découpé. Donc il y a plusieurs parties, il y en a 4 en tout du coup. Et donc on peut les mettre en relief comme ça pour mettre sur un petit paquet cadeau, une petite boîte d'emballage, ou je trouve que c'est pas mal. Ici, donc c'est des dies d'écriture avec pareil que le mot que j'ai mis sur la pocket letter qui est relax là. Donc là c'est un petit peu plus petit. Alors je cherche l'ouverture ici. Mais j'aime bien ce principe-là, je trouve que ça rend pas mal. Donc ici on a Friend, et mon super accent. Wonderful, Awesome. Alors Awesome, je ne sais jamais ce que ça veut dire. Celui qui est la personne qui sait ce que ça veut vraiment dire me le dit, je veux bien, parce que quand je regarde les traductions, ben je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment. Et là, donc Beautiful. Donc ça peut être sympa, par exemple, pour mettre sur quelque chose de petite création un peu féminine. Où on veut en fait, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai comme petit die? Donc, ça, j'ai dû vous le montrer. Ça, c'était pour fermer les sachets. J'avais aussi un die chaussures et puis chapeau. Voilà. Bon, au départ, je me dis ce que ça va rendre, mais finalement, ça rend pas si mal que ça. Là, j'ai fait dans du papier métallisé ainsi que la chaussure. Donc ça c'est pareil, c'est des petites choses qui peuvent être découpées aussi pour rajouter des couleurs différentes. Donc ça rend pas mal pour mettre sur une petite création. Voilà. On verra bien ce que ça donne. Parce que j'avais pas trop de trucs féminins en fait. Des choses que j'ai pas fait de découpe. Ça, c'est un autre die où c'est marqué Sunshine, je crois, si je me trompe pas. Oui, Sunshine avec donc l'arc-en-ciel, le soleil, les petits nuages et un encadrement un petit peu festonné sur les côtés. Donc ça, je trouvais que ça rendait pas mal aussi. J'ai pas eu le temps de faire la découpe parce que comme je disais, je fais pas mal de choses là. Je vais faire ça à plein temps, moi aussi. Ça serait pas mal. Donc voilà. Après, j'ai deux petites découpes, mais j'ai pas fait, donc on verra ça une prochaine fois. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Bonne fin de week-end, au revoir.